Patrick Poivre d'Arvor a dû fêter un triste anniversaire ce vendredi 27 janvier, les 22 ans de la mort de sa fille. L'ex-présentateur du JT de TF1 lui a rendu un hommage particulièrement émouvant sur Twitter. 27 janvier 1995, Solène s'envole à jamais, laissant un vide béant. Mais elle est toujours là, grâce à la maison de Solène. Inaugurée 9 ans après sa mort, la maison de Solène est en effet un service consacré aux troubles alimentaires des adolescents à l'hôpital Cochin à Paris, en hommage à la jeune femme qui était anorexique. Solène s'était donné la mort à l'âge de 19 ans en se jetant sous les rames d'un métro. « Merci pour tout, mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer », avait-elle écrit dans une lettre laissée à son père.